Et bonjour à tous, c'est Nico le Ch'ti avec Gérald de Rive sur The Witcher 2. Et on reprend là où on s'était laissé, c'est-à-dire qu'il y a un monstre qui est apparu, un Kairan. Et donc on va aller le traquer durant cet épisode, ou plusieurs, tout dépend si je papillonne entre deux ou pas. Et on commence tout de suite et je voudrais parler à ce monsieur. Pourquoi t'es blanc ? Parce que je suis pas noir. Vous avez vu le Kairan, le monstre de la rivière ? Oui, mais je suis pas là pour bavarder. Et parmi les trouillards ? Auriez-vous peur ? Une bête gigantesque, agitant l'eau de ses énormes tentacules. Des poissons morts partout. Il est sûrement venimeux. D'accord, donc apparemment il serait peut-être vémineux et vous avez vu, j'ai eu l'intimidation réussie. Alors, là-bas c'est le nord, alors est-ce qu'il y a des trucs à fouiller là-dedans? Bon, je vois pas de trucs qui surlignent. J'ai pas envie de parler à eux, nous on va les diriger, vers la flèche tout simplement. En essayant de fouiller deux trois petites choses quand même. Alors là ici j'ai quartier Flotsam. Oui, on est toujours à Flotsam, quartier des artisans. Je vois des points bleus à qui on peut parler. Alors. Je ne parlerai pas à un monstre. Attendez. Allez-vous-en ou j'appelle les gardes. Silence. Ouais, si tu veux. Alors lui, il a une icône sur la tête, marchand. Que voulez-vous ? Il paraît que vous avez un problème. Bah, s'il n'y en avait qu'un. Des routes ravagées, une forêt pleine de bandits, une bête qui bloque le port. Et ça ne fait qu'empirer. Je ne peux pas tout régler, mais cette histoire de monstre m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse. Une magicienne m'a dit la même chose, mais j'attends toujours. Elle m'a demandé de l'aider. Tiens donc. Et qui va vous payer ? C'est justement ce qui m'amène. La magicienne devait se débrouiller seule. Nous lui avons offert une belle somme. Vous pouvez toujours partager. Alors, où est notre avance? Un tel contrat demande de la préparation. Et ça a un prix. Vous voulez une avance? Voilà une poignée de reins. De quoi vous payer quelques verres et quelques catins. Je pensais plutôt aux potions nécessaires. Dites-moi ce que vous savez de cette bête. Oh, mais les catins, ça me va aussi. C'est vous le sorceleur, bon sang. Moi, je n'y connais rien. Qui peut m'en dire plus? Sûrement ce maudit elfe, Cédric. À ce qu'il paraît, il s'y connaît en monstres. Où je peux le trouver? Au village, en dehors des murs. Partez maintenant. Nouvelle étape de quête, d'accord. Cédric, c'est pas tellement... C'est pas tellement un nom elfe, mais c'est pas grave. Alors, journal. Alors, tout ça. Ah, le Kairan. Et ça, c'est... Ça, c'est des trucs réglés. À payer, hein, j'ai d'accord. On va essayer de suivre cette quête, voir où est-ce qu'elle nous mène par là. Mais j'aimerais bien voir ce Cédric. Alors, je sais pas si journal, si c'est quoi la différence entre les deux. D'accord, donc ça, c'est est-ce que ça nous dit un truc? Non, on va reprendre l'autre, donc juste le Kairan. Et on va aller trouver Cédric. Qui est plus vers l'est. Hop. Alors on ira visiter tout ça. Je savais que ça valait le coup de venir dans ce trou paumé. Mon flair ne m'a pas trompé. L'assassin de Foltest en personne. Ça baigne? C'est pas moi. J'ai pas à me plaindre. Ah, il y a encore quelqu'un derrière. La route est longue pour Vizima et je veux pas traîner. J'ai déjà perdu assez de temps à te chercher. Bonne route alors. Je ne te retiens pas. Oui. Écoute-moi, petit malin. T'as plus de valeur vivant. Mais s'il faut te tuer, je m'en accommoderai. À toi de voir. Essaie seulement. Tu vas sagement jeter ton épée et me remettre tes pognes. Sinon... Viens prendre mon épée toi-même si tu en es capable. Ah, baston. C'est lui qui cherche. Baston, ok. Hop, faut que je retrouve mes touches. Chier.
ton esquive. Un petit hard. On esquive. Oula, j'ai visé le chien, je sais pas pourquoi. Ah, il m'a bien eu lui. On esquive, on prend le flanc. Ouais, quand même. Ouais, quand même pas mal de PV. Hop, par contre, moi j'ai pas beaucoup de vie, faut que je fasse gaffe quand même. N'ayez pas peur des tours de sorceleur. J'ai une pierre de tentue. Ok, on l'a eu. Il était assez chiant celui-là avec son bouclier. Bon, ma vie va remonter toute seule. Par contre, j'aimerais bien le looter. Alors, il y a un mandat d'arrêt. Il y a des locks. Hop. On va prendre tout ça. Hop, on fouille. On fouille. Donc, ils ne nous embêteront plus. Donc, là, c'était regagner votre épée avant de. J'ai regagné mon épée, j'ai trouvé la touche du premier coup. Est-ce qu'on peut sortir? On peut sortir, mais je crois que je me suis trompé. Ouais, c'est juste le port. Mais on va continuer, puis là je vois un point d'interrogation. Et j'entends un truc qui ronfle. Où est-ce que tu vas? Ah, tu es bien triste. Curieuse. Tu sais où trouver un elfe du nom de Cédric? Ne te mêle surtout pas de ça. Alors, les acheteurs payent bien, tu as peur? Je t'ai vu pâlir quand on a vu Sheila. C'est ton imagination. Je te connais trop bien. Sheila est l'une des magiciennes les plus puissantes. Ce n'est pas une raison pour la craindre. Elle n'est pas digne de confiance, je le sais. Elle est manipulatrice et plutôt sournoise. Des preuves? Elle sait pertinemment pour ton amnésie, bien qu'elle ait prétendu le contraire. Et pourquoi ferait-elle ça? Aucune idée. Il a toujours été difficile de la percer à jour. J'y arriverai peut-être. Comment? J'irai chasser avec elle, après avoir vu Cédric. Alors allons le trouver. Il doit être dans sa tour d'observation. Bon bah, on y va, on va parler à Cédric. Et d'abord, on va fouiller un peu. Je cherche l'elfe nommé Cédric. Quelqu'un sait où il est? Oui, moi aussi je cherche Cédric. Je dois savoir si la forêt est sûre. Qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai? Alors, là ici, en face, il y a une... On peut grimper? Ah ouais, monter. Là-haut, il y a quelqu'un, je pense. Ok, là il y a des gens. Je pense qu'on va... Bientôt une année sera écoulée. Moril serait ravi par une telle journée, Seirim. Réjouis-toi en souvenir d'elle plutôt que d'abreuver ta tristesse. J'essaie, mais je suis abattu par tout ce mauvais sang qu'a causé sa disparition. Ne laisse pas les autres Seid salir sa mémoire. La haine n'est qu'une échappatoire à l'incapacité. Merci, Cédric. Va fail. Ah bah salut, Cédric. Alors va fail, ce n'est pas va échouer, hein. je sais pas ce que ça veut dire. À chaque fois, ça me fait penser à ça. Va faillir. Parlons à Cédric. Qu'il demande? Geralt de Rive. Ah, le sorceleur est... Triss Merigold. Fragrance enivrante, Triss. Regardez-moi, Cédric. Que voulez-vous, Geralt de Rive?
Alors, je chasse le Kerran. Je cherche du travail pour un sorceleur. Je chasse le monstre qui est Moril. Bon, allez, on va faire un peu de lore. Pourquoi se battent les Skoyatel ? Vous parlez des anciens qui espéraient retrouver la gloire d'antan, ou de ceux d'aujourd'hui qui combattent pour leur survie et au nom d'une vengeance suicidaire ? Yorveth correspond auquel, à votre avis ? Ils s'imaginent encore être indépendants, et leur cause n'est juste que d'un certain point de vue. En vérité, ils ne sont que l'ombre de la gloire passée des Hanseid. Ils s'accrochent à leurs illusions jusqu'à ce qu'ils se fassent pendre ou embrocher, ou jusqu'à ce qu'ils voient la vérité en face. Ce qui est encore pire. D'accord, donc Yorveth, hein, c'est le gars qu'on recherche. Tu fais qui quoi êtes-vous ici, au juste ? Celui qui prévient les humains des dangers qui rôdent dans la forêt. Vous pouvez développer ? Ah, tu aides les humains, même d'accord. Pour un elfe. Cette forêt l'est davantage. J'y vis depuis longtemps, je la comprends. Mais je ne peux pas l'expliquer. Chaque fois que je me trompe, les gens ne reviennent pas. Donc, vous aidez les humains ? Je préviens juste les gens s'il est bon de s'aventurer hors des portes de la ville. De quoi est morte l'elfe dont vous parliez ? Seyrim croit que la forêt l'a emportée. Et vous ? Moril a disparu il y a presque un an. Certains disent qu'elle était trop belle, que les douanes ont dû lui faire du tort. Vous y croyez ? Lorsque je n'ai plus aucune certitude, j'essaie d'écouter mon intuition. Et elle me murmure que la forêt n'y est pour rien. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Seyrim ? Cela n'a plus d'importance. Peut-être l'a-t-on assassinée, peut-être est-elle partie pour ne plus jamais revenir. Ni moi, ni Seyrim ne pourront y changer quoi que ce soit. Peut-être on la retrouvera, un de ces quatre. J'ai besoin d'argent. Vous auriez du travail pour un sorceleur ? Il y a toujours du travail pour un sorceleur dans la forêt. Ça grouille de monstres. Ils arrivent ici en masse. Vous savez pourquoi ? Les endroits maudits attirent des tas de saloperies, comme la merde attire les mouches. Il y avait une maison dans la clairière où on enfermait les démons. Lors de la guerre contre Nilfgaard, elle a été rasée par les flammes. Les fous ont littéralement fri à l'intérieur. Depuis lors, les ruines sont maudites. Deux casse-cou ont essayé de les fouiller il y a peu. On ne les a plus revus depuis. Parlez-moi un peu de l'édifice lui-même. C'est un ancien manoir réhabilité en hôpital psychiatrique. On ne manquait pas d'aliénés en temps de guerre. Ils affluaient constamment. Le prêtre Mirsei les y avait enfermés pour s'en occuper. Si vous retrouvez les deux personnes piégées dans les ruines de l'asile, vous serez généreusement récompensés, par eux ou par leur famille. Petite quête secondaire. Je peux toujours essayer. Ça, c'est cool. Et j'ai toujours pas fini avec toi, hein, mon petit Cédric. Je compte tuer le Kerran. On dit que vous pourriez m'aider. Tout dépend du genre d'aide que vous cherchez. J'ai besoin d'informations. Vous auriez dû le tuer il y a des années. Maintenant... C'est pas. Il est devenu trop gros pour le fleuve. Et il a des excroissances sur les tentacules. Une peau extrêmement épaisse. Avant, il vivait dans un marais situé près d'un affluent du Pontard. Des terres sauvages où même les Skoyatel n'osent pas s'aventurer. Vous devriez voir l'épave du dernier bateau qu'il a coulé. Inspecter les traces qu'il a laissées. Examiner les dégâts. Où se trouve l'épave ? Allez vers le sud, dans la forêt. Puis à l'est, en direction du fleuve. Vous trouverez un pont en ruine construit jadis par les Hanseid. L'épave gît au pied du pont. Merci, Cédric. C'est ce qu'on va faire. Je serai près de l'épave du bateau. Fils, tu es sûr de ne pas abuser de la téléportation ? Et moi, je peux me téléporter aussi, ou... Bah, c'est exclu. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va descendre. Ah, Gérald descend. Est-ce que tu glisses comme les... Non. Ah, par contre, son épée, elle disparaît quand il descend. Donc, on va y aller à Popat. Hein. On y va. On va aller explorer cette petite forêt. Donc, il avait dit par le nord et après vers l'est. Voilà. Hop, là, il y a de quoi fouiller. Je comprends. Et ici, je vois un petit point vert. Hein. Ça peut être un marchand, une connerie comme ça. Voilà. Mon médaillon vibre auprès de vous. Or, il ne vibre qu'à proximité de la magie ou du danger. Il vous met peut-être en garde contre une claque sur votre petit minois. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Écoutez, on me traite peut-être de sorcière, mais moi, les sorts, je m'en fiche. Vous n'avez besoin ni de charme, ni de malédiction.
Donc vous cherchez soit des sensations fortes, soit des sorcières. Dans les deux cas... C'est pas bon. Je ne tiens pas à vous dénoncer, ni à vous voir danser nu au clair de lune devant l'hôtel de Vaiopatis. Oh, comment ça me... J'aurais pas dit non sur je le deuxième. Je veux seulement des herbes. Des herbes? Oui, pour usage personnel. C'est pas bon. Non, je vais pas marchander. Au revoir. Au revoir. Alors, et toi, t'as un truc à dire? Du travail pour un sorceleur? Il y en a suffisamment pour 3 sorceleurs. Mais qu'importe, nous sommes pauvres. Tant que tu payes, ça me va. On va pouvoir s'arranger. Allez à Flotsam, près de l'auberge. Vous trouverez un tableau d'affichage. Juste une chose, laissez le troll tranquille, quoi qu'on vous dise. Autre chose? Du travail bien payé? Chassez donc le vieillard. Loredo s'est payé une magicienne. Ça signifie qu'il a les moyens. Quelle magicienne? Patrice Merigold? Dame Sheila de Tancarville. Distinguée, mais fauchée comme les blés. Comme vous. La magie et l'argent n'ont pas l'air de faire bon ménage. Donc elle aurait accepté de tuer le vieillard. Donc, dépêchez-vous si vous voulez la devancer. Le vieillard? Bon. Adieu. Là, je vois un autre truc... en vert. Il doit être là-haut. Bon, je sais pas. Salutations, sorceleur. Salut. Alors, on va aller par là. Parce que apparemment je peux pas y aller. Et donc, on va aller. Alors, la carte. Alors, carte. Je suis là. Et on peut pas zoomer? Ah si. Clac, 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 clac. Je zoome. Donc je suis... Donc là où il y a la flèche rouge et je dois aller par là. Donc apparemment je peux pas aller par là. Ah, faut que je passe par le sud, d'accord. On va passer par le... Enfin, par le chemin qui est là-bas, je suppose. Un mur invisible. Bon, c'est pas grave. Bienvenue, le blanc. On prend les petites plantes en même temps et voilà le chemin que je cherche. Donc aventurons-nous dans la forêt. Forêt voisine de Flotsam. Bah, allons-y, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monstres. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite sauvegarde quand même. On sait jamais. Est-ce qu'on peut passer par là? On peut passer par là. Hop. Il y a un cadavre ici, mais il n'y a rien autour. C'est bizarre. Alors, j'ai bien fait de sauvegarder. Parce que je suis mort comme un caca face à des bandits. On va préparer l'igni. Et ces gars-là, ils m'ont mis la misère. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, j'esquive pourtant. Je spam ma touche esquive. Ok, alors moi... Bah alors... Qu'est-ce qui se passe le jeu là? Qu'est-ce qui... Okay, on bourre un peu. Ok, ils sont tous morts. Je sais pas ce qu'il a fait le jeu là, chargé plusieurs fois. On peut fouiller la ficelle. Alors, lumière. Bon, c'est pas grave, je sais pas ce qu'il a fait le jeu, mais il y a encore des bandits. Par contre là, il y en a un. Du sang et du sang. Avec un bouclier.
pas. Toi d'abord, tu vas mourir. Ok, il est mort. Ok, on s'en sort. Hop, on le brûle. Oh, il y a un coffre derrière. Ça, c'est cool. Encore moins, mon doux. C'est bon. On l'a eu. Et on va fouiller le petit coffre. Ah, il est pas fouillable, le coffre. T'es sérieux? Si. Non, fouille. Et oh, oh 50 aura. Bon, ça se prend. Là-bas, il y a le sac de l'autre. Donc, on va continuer à monter. Je pense qu'il y a encore des bandits sur le chemin. On va faire gaffe quand même. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est Triss. Coucou, Triss. Je me demande ce qu'il reste de l'épave dont parlait Cédric. Si le Kéran a attaqué le bateau, il ne doit pas en rester grand-chose. Heureusement, on cherche des traces de la bête, pas d'un bateau. Ça, c'est vrai, Gérald. Ah, Triss est avec nous, elle va nous aider, donc on va la suivre. Je suppose. Hop, on saute. Clac. Ça se fait pas automatiquement, faut appuyer sur la touche. Bon, on continue à suivre Triss. Ok, hop. Continue à suivre le chemin, il n'y a pas l'air d'avoir des mobs sur la route, mais il y a des plantes. Kelidwan et de la racine de mandragore. Ok, on arrive à un point important. Ah bah, voilà un épave de bateau. C'est bon de te voir. Oui, moi aussi, Triss, c'est bon de me voir. Ah. Il y a des traces de pas. Ces traces? Ouais, drôle d'endroit pour se balader. À moins de rechercher l'aventure. Eh ben, on va aller sur le bateau directement. Hein. On va pas chercher plus loin. On va suivre. Mon médaillon s'agite. Ah. Il y a des nickers. Des noyeurs? Des noyeurs. Dehors en a, ça c'est cool. Et un noyeur en moi. T'en as presque la larme. Examinons les traces du Kéran et des guerpissants. Est-ce que je peux le fouiller? Oh, il goûte rien. Ah, s'ils sont là, c'est loot. C'est bon de te non, voir. Non, pas parler. Fouiller. Cervelle de noyeur. On prend. Ah, mutagène de pouvoir inférieur. D'accord. Ok, là on a. Un mouton farci de soufre et un cordonnier mort. Exactement. D'accord. Comme dans les légendes de l'Est. Hélas, c'est insuffisant pour tuer le Kéran. Ah, le mouton, il est borgne. On dirait qu'il avait un... On dirait qu'il avait un bandeau. Là, il y a un truc à fouiller. Hop. Du tissu, de la cervelle de noyer. Là, c'est quoi, ça? Récupérer du mucus. Que comptes-tu faire? Lancer un sort de diagnostic. Cela devrait nous éclairer un peu. Ce monstre est malade, Gérald. Il se meurt. Combien de temps lui reste-t-il? Quelques années. Peut-être 10 tout au plus. C'est quand même. De quoi souffre-t-il? Toute information serait utile. Le sort de diagnostic a révélé que certaines cellules de son corps ont muté. À quoi vois-tu qu'il se meurt? Je suis bien un mutant. Les cellules des muqueuses testées semblent avoir dégénéré. En d'autres termes, elles sont plus efficaces que les cellules saines, mais hors de contrôle.
Elles s'agglomèrent pour donner un tissu rouge pas beau à voir. Pauvre bête. Tu as mis le doigt sur quelque chose. Tu veux savoir la différence fondamentale entre les mutants et les non-mutants ? Bah, les mutants, ils sont stériles, non ? Bien sûr que oui. Tes modifications corporelles effectuées par magie ou alchimie mettraient des siècles à se développer d'elles-mêmes. Elles résulteraient d'erreurs génétiques dues à l'adaptation du corps à son environnement, et la mutation en ferait un organisme efficace. Lorsque ce développement s'effectue sur des générations et des générations, on appelle cela la sélection naturelle, l'évolution. Si cela se produit rapidement dans un seul organisme ou dans une poignée de spécimens, on appelle cela une mutation. Moi qui croyais que tu m'aimais. Quoi d'autre ? Le Kairan est très venimeux. On peut faire un antidote ? Une potion d'osmorose devrait neutraliser la toxine. Je connais cette herbe, mais j'ignore où on peut la trouver dans le coin. Je vais devoir réfléchir à un moyen de tuer le Kairan. La potion ne me sera peut-être pas utile. Je vais aller voir Cédric. Tu peux te débrouiller sans moi un moment ? Voici la recette pour la potion. Je dois régler quelques affaires personnelles. Tu t'en sortiras seul pendant ce temps ? Mm-hmm. À tout à l'heure. Mais oui, ça devrait aller. Alors, trouver de l'osmorose ou combattre le... On va trouver de l'osmorose. On sait trouver de l'osmorose. Alors déjà ça, on peut plus rien faire avec. Donc là, il y a le bateau. Alors, est-ce que... Il y aurait des trucs à fouiller sur le bateau. Non, je pense pas, hein, vu le... Oh ! Examinez l'épave. La rivière mystérieuse. J'ai gagné une clé. Donc là, on peut pas aller par là. Ok, ok, on va continuer par là. Je pense qu'il faut... Ah, j'ai pas vu ça, en fait. D'accord, ok, une sorte d'arche, on peut pas aller à l'intérieur. On est bien d'accord. Et je suppose... On peut pas aller par là, si. Non, on est bloqué par là, bon, on va faire demi-tour. Je pense que le seul chemin qu'on puisse reprendre, bah, c'est le chemin inverse, hein. On va revenir, reprendre là d'où on vient, et hop, saute. Okay, Gérald, quel magnifique athlète ce Gérald. Et donc on va aller sur la droite, enfin, si on peut aller sur la droite. Ben, ça tombe bien, c'est le chemin. Là je pense pas qu'on puisse y aller. Et on retrouve le chemin. Alors hop. Alors, trouver de l'osmorose vous-même ou parler à Cédric. Okay. Ah, là, on voit mieux ce genre de pont, ici. Ah, c'était un pont, hein. D'accord. Alors, faut trouver de l'osmorose. Mais, apparemment, on nous dit d'aller voir Cédric aussi. Peut-être qu'il pourra nous... Ah, là, c'est de la brionne. Là. Est-ce qu'on peut aller à... Ah oui, on peut aller par là. Moi, je pense pas qu'il y ait des choses à fouiller. Bon. On va retourner voir Cédric. Donc, on a tapé tous les mécréants qui étaient sur notre chemin. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas... Qu'on puisse pas traverser tout. Faut vraiment tout remarcher par là. Il n'y a plus de bandits, ça fait de la marche. Oh, il y a encore au même endroit. Hein. Je sais pas ce qui se passe à cet endroit. Je pense qu'il doit charger la carte. Bon, c'est pas grave. Une sorte de cimetière ici. Ok, allons voir Cédric. Et je pense qu'on en finira avec ça. Enfin, du moins ici. Avec Cédric, une fois qu'on aura trouvé. Et. Ah, tu peux pas descendre par là, t'es sérieux? Oh, là, là.
tous ces détours pour allonger le temps. Non, je veux dire, c'est des copains, donc ça va. Donc Cédric, il est là-haut. Alors, on va lui parler. Voir ce que... ce qu'il peut nous donner de l'osmorose. Ça serait bien. Sinon, bah, on ira en chercher nous-mêmes. Allez, Gérald, on grimpe. À moins que j'ai déjà de la... Que je peux faire de la potion de mangouste. Alors, méditer. Potion. Est-ce que je peux faire... Pas, pas de potion. Chimie. Ah non, la chimie, il faut que je fasse la chimie. Potion de mangouste, est-ce que je peux en faire? Non, il me manque des trucs, hein. On est bien d'accord. Hein. Hop, on va parler à Cédric. Alors, où puis-je trouver de l'osmorose? J'aurais besoin d'osmorose. C'est une mousse rare qui pousse sous terre. Je le sais. Au sud, au plus profond des bois, il y a des cavernes. Si de l'osmorose pousse dans le coin, ça ne peut être que là. Bon bah. On va aller trouver ces ruines elfiques dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, on est toujours sur la trace du Kerrane. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.